y a 36 000 élus, donc c'est pas parce que il y a une dynamique indéniable du côté de Mélenchon, il remplit les salles, voilà, on entend parler tout le temps de lui. Nous, ça ne me pose pas de problème, ça. Tant mieux qu'il y ait une dynamique du côté de Mélenchon. On va pas jalouser, on va pas dire. C'est pas Mélenchon qui nous fait de l'ombre. En fait, c'est un peu tout le système. C'est que Mélenchon est là, il représente quelque chose. Il y a aussi des militants qui sont derrière lui, des militants qu'on côtoie dans les manifestations, qu'on côtoie dans les syndicats là où on est, qu'on voit tous les jours. Donc nous, ça nous pose aucun problème. On veut juste dire qu'on représente un peu autre chose quand même, d'autres idées, d'autres perspectives politiques, et qu'on a tout, on mérite tout autant de pouvoir être représenté. C'est ça le truc. Après, on sait bien que dans les milieux qu'on côtoie, dans les milieux militants, il y a cette idée effectivement du vote utile. Le problème est posé. C'est-à-dire qu'en fait, et ça c'est aussi un problème auquel on est confronté en permanence, c'est qu'à partir du moment où on est le petit candidat, quand il y en a plusieurs qui sont à peu près du même côté, la discussion c'est les petits qui ou se rallient au gros, et on a ces discussions-là, évidemment. Et ça c'est un problème politique qui nous est posé, parce que cette élection-là, ça en revient toujours à ça, c'est le vote utile, c'est finalement, pour être efficace, il faut taire un peu ses idées, puis suivre celui qui a le plus de chances d'eux, nous on veut remettre tout ça en cause, il n'y a pas de raison. En plus, le vote utile, on l'a payé chèrement, à chaque fois il a fallu voter PS, parce que ça ne servait à rien, on a tout entendu hein, au fil des années quand on était candidat, hein, il fallait pas, le PS était quand même parti de gauche, merde, il fallait pas se présenter à côté de lui ou le dénoncer. Hein. Bon, ben on a vu ce que c'était le PS, on a vu qu'il est en train de s'écrouler, et là on est en train de sortir un nouveau produit, un nouveau truc à gauche qui serait super bien, et donc à chaque fois c'est toujours au candidat salarié, ouvrier, de se taire, de se faire oublier. Il faut toujours trouver une solution de rechange, et la solution de rechange, bizarrement, c'est toujours un politicard, même un peu plus de gauche que d'autres, hein, mais avec un fonds de commerce qui est un peu le même, et c'est toujours au même de s'effacer. Donc oui, ça pose problème.